Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va tester une collaboration très spéciale entre deux mastodontes du capitalisme et du système international monétaire. McDonald's a fait une collaboration avec le gigantesque groupe de K-pop BTS. On va mettre les choses au clair en début de vidéo, je m'y connais très peu en K-pop. Cependant, je m'y connais bien en nourriture et surtout en McDo. Je pense que la collaboration BTS et McDo est seulement disponible en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, au Canada, peut-être au Brésil et dans d'autres pays, mais je sais que c'est pas disponible en Europe et donc pas disponible en France où beaucoup d'entre vous vous situez. Je vous propose donc de présenter et de déguster le menu BTS et de vous donner mon avis et de vous dire si vous manquez quelque chose ou pas pantoute. On est sur l'application de livraison de bouffe et comme vous pouvez voir, le repas BTS y est présent. Il semble avoir des croquettes de poulet ou des nuggets, des frites McDo évidemment, un Coca-Cola grand format et deux sauces. Et c'est ça qui m'intrigue le plus, il y a deux nouvelles sauces qui ont été ajoutées, la sauce Cajun et la sauce Chili Doux. Est-ce que ça a rapport avec le groupe de K-pop? J'ai aucune idée, vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment de rapport. Mais pour moi, avoir plus de sauces est un avantage parce qu'au Québec, on a très peu de sauces, la sélection est un peu pauvre. Donc des nouvelles sauces, ça va faire plaisir aux sauciers. Très important de bien saucer sa croquette. Je pense sincèrement que la sauce Cajun peut être exceptionnelle. Il y a beaucoup de potentiel. La sauce Chili Doux m'intéresse un peu moins. Peut-être qu'on va être surpris. Mais à part de ça, ça a l'air d'être un menu très classique. Croquettes, frites, boissons. Je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Peut-être qu'on va avoir des jouets BTS, un petit bonhomme coréen en plastique. Peut-être qu'on va avoir des photos, des autographes, un album. Qui sait? On va commander ça et on va voir ce que ça donne. Donc j'ajoute une sauce Cajun, une sauce Chili Doux, à côté frites grand moyen. On va prendre une boisson fontaine Coca-Cola. Donc on va vraiment répliquer le menu qui est affiché dans la promotion, ajouter au panier. Je vais même en prendre deux parce qu'on est deux. On a rajouté quelques petites surprises personnelles parce qu'on est des gros porcs. Payé, la commande est passée, reste plus qu'à attendre. BTS dans mon salon. Les membres de BTS qui me font des salons. Wow. Les membres de BTS dans mon salon, on va faire un mukbang avec des croquettes sensuelles. En attendant la commande, c'est l'instant quiz! Quelle a été la première célébrité à collaborer avec McDonald's? Mettez votre réponse dans les commentaires, vous avez 3 secondes. 1, 2, 3, c'est qui? Le Cirque du Soleil! Il est devenu Ronald McDonald's! Il s'agit de Michael Jordan! Le fameux joueur de basketball. La collaboration a été lancée en 1992 et était composée d'un quart d'olive avec bacon et sauce barbecue, une frite et une boisson. C'était l'instant Wikipédia. Cet instant quiz vous a été présenté par un YouTuber qui veut atteindre le minimum de 8 minutes et insérer plus de publicité pour gagner sa vie aisément. C'est prêt, j'ai concocté un repas. Oh, ma maman. Oh! Il manque une boisson. On s'est fait crasser? Le verre pour la boisson est édition BTS. C'est un verre spécial à conserver et à revendre sur eBay. Le triple du prix. Pour ceux qui sont intéressés, je lance les enchères. BTS Meal, c'est écrit aussi en coréen sur le côté ici. Et il y a un espèce de slogan, j'imagine, Jet Cœur, j'aime les jets. Je t'aime. Ah, oh. Ça manque un peu d'amour. Ça a été calissé un peu dans le sac, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. On a les frites édition BTS, très différentes d'habitude, comme vous pouvez voir. Junior au poulet, qui est pour la caméraman. Oups, deuxième frite. 10 mes croquettes, édition BTS. Et encore une fois, 10 mes croquettes. On a deux sauces chili et deux sauces Cajun. Et il y a même une sauce des deux qui est ouverte avec le sida. Il y a des napkins, des pailles et des frites. Mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de miniature des membres de BTS à caresser. Il n'y a rien. Visiblement, ça a l'air d'être un menu normal, mais il y a un emballage spécial pour la boisson et il y a des sauces spéciales. Étrangement, les sauces semblent numérotées. Il y en a que c'est écrit 4 et sur celle-ci, c'est écrit 1. Peut-être que c'est des sauces à collectionner. Collectionner les 4 sauces Chili Doux. J'aime beaucoup l'emballage des sauces. En tout cas, c'est écrit en coréen. C'est vraiment cool. C'est un peu brillant aussi avec le piment et la flamme. Ça, c'est cool. À part de ça, ça semble vraiment classique. On va goûter à ça. Commençons avec la boisson. Est-ce que cette boisson a quelque chose de différent? J'en doute. C'est un Coca-Cola glacé régulier, rafraîchissant, désaltérant, agréable.
rien de nouveau. Allons-y avec les sauces. On a fait quelques recherches et il paraît que ces sauces existent au McDo en Corée et ont donc été intégrées dans le menu ici au Canada. Peut-être que ce sont les sauces préférées des membres du groupe BTS. Il y a peu d'informations à ce sujet. On va voir si c'est bon. J'ai envie de commencer avec le Sweet Chili, chili doux, avec une bonne croquette de poule. Oh, voici à quoi ressemble la sauce. C'est une sauce rouge, c'est une sauce visqueuse. Oh, ça sent le gros piment, ça sent les bonnes épices. C'est rare que McDo propose des trucs bien épicés, donc j'ai hâte de voir. On trempe ça là-dedans. On dirait une sauce aigre doux, normal. Il y a des petits morceaux de piment à l'intérieur. Il y a du potentiel, ça va être sucré, salé, aigre doux. Je sais pas si les petites filles de 13 ans vont apprécier cette sauce. C'est plutôt relevé, quand même pas mal piquant. Il y a une belle acidité, c'est aussi sucré évidemment. Donc je trouve ça vraiment rafraîchissant, ça vient balancer le gras de la croquette à merveille. Pour les Québécois, ça me fait penser à la sauce aigre douce, mais avec un peu plus de je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec les croquettes. J'aime ça, j'avais pas vraiment d'attente. Mais c'est vraiment goûteux, relevé, délicieux. Si vous aimez le sucré, goûte-moi ça. Quand même piquant, hein? Pour le commun des mortels. Au début, c'était extrêmement sucré. Puis après, pah! C'est piquant. Et l'acidité aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le temps, il y avait des râpes éclairs chipotelés. Ça ressemble un peu à ça. C'est une sauce similaire, une sauce sucrée au piment. Moi, tous les produits McDo, je les connais par cœur. Oh! Essayons avec les frites cette fois-ci. C'est vraiment un contenu professionnel, hein? On est des dégustateurs ici, mesdames et messieurs. Ah, c'est bon aussi, ouais, pas problème. Ouais. Let's go avec la sauce Cajun, celle-ci, qui m'intrigue le plus. C'est vrai que les épices Cajun, c'est 100% coréen. Oh! Ouf! Belle couleur orangée, ça regorge de soleil et de plaisir et de... Oh! Oh! Ah! J'en ai partout! On pourrait dire que je me suis saucé. Ouh! Ça sent également pas mal épicé. Ça fait chatouiller les naseaux, les canaux nasaux. Petite odeur de moutarde. Là, ça me déçoit un peu. J'espère que c'est pas à la moutarde, parce que la moutarde forte... Pas tant fan de ça, moi, la moutarde forte. Pourquoi tu me regardes? Trempe-toi la croquette, Marie donc, Marie Dé. Au début, j'étais conquis, j'étais fan, j'étais au septième ciel de la sauce. Mais après, petit arrière-goût de moutarde forte que j'aime pas tant. Je suis pas un aficionado de la moutarde forte personnellement, donc ça vient pas vraiment me titiller. La mamelle. Bon goût d'épices cependant, il y a vraiment un goût d'épices cajun épicé. C'est bon, c'est goûteux. C'est beaucoup plus complexe que les autres sauces qu'on a ici normalement. Donc de ce côté-là, je suis vraiment content. C'est plus savoureux, c'est meilleur. C'est quelque chose quand même. Hein? Au début, c'est un peu sucré. Ensuite, on a une vague d'épices et en troisième phase, c'est pas mal piquant. Donc les deux sauces BTS sont vraiment épicées, vraiment piquantes. Ça reste tolérable, ça reste agréable tant qu'à moi. Mais si vous n'aimez pas les épices, bonne chance parce que vous allez en pisser. On se trempe la frite. Ça fonctionne bien avec les frites. On dirait que plus j'en mange, plus j'apprécie. Au début, le goût de la moutarde était désagréable, mais j'aime beaucoup. Ça a aussi un petit goût de vinaigrette, genre une vinaigrette à la moutarde forte. À ton tour de goûter la cajun. Je vais faire l'autre. On dirait vraiment juste un. Que je trempe ma croquette dans de la moutarde avec un petit goût de cajun. Je pense que cette sauce va plaire aux gens qui aiment pas trop le côté sucré, le côté sucré-salé. Et pour ceux qui préfèrent quelque chose d'aigre doux, ça va être chili doux. Expérience intellectuelle supérieure, on va mélanger les deux sauces. Chili doux, cajun, mélange de couleurs, douteux. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. On dirait que le côté rafraîchissant de la sauce chili doux vient supprimer l'arrière-goût de la moutarde forte, mais rajoute un côté crémeux désirable. Ces sauces sont faites pour coexister comme le yin et le yang. Alors, après avoir tout testé, qu'est-ce que je pense de la collaboration BTS et McDo? Je trouve malheureusement que cette collab est très paresseuse. Ça manque d'efforts, ça manque de contenu exclusif. Ça aurait été cool d'avoir peut-être un verre, comme à l'époque des Jeux Olympiques, un vrai verre en vitre.
BTS, d'avoir peut-être des objets exclusifs vraiment cool, ou peut-être même de concevoir un burger exclusif avec les membres de BTS, avec leurs ingrédients préférés. S'il y en a un qui aime pas les tomates, tu mets pas de tomates. S'il y en a un qui adore les oignons frits, t'en mets dans le burger. Voilà le tour! J'adore l'addition des sauces, mais ça reste vraiment basique. Je sais qu'ils ont fait ça avec Michael Jordan à l'époque, Travis Scott, qui était littéralement juste une reproduction de ce qu'ils commandent d'habitude. Mais ça serait cool d'avoir des trucs un petit peu next level. Je suis pas un fan de BTS, mais je me mets à leur place et je trouve que c'est décevant. Les fans auraient clairement voulu plus d'objets promotionnels, plus de, tu sais, un autographe sur la boîte, genre, de croquettes. Genre un autographe imprimé de tous les membres, juste des emballages customisés, des plus de détails, plus d'efforts. Malheureusement, c'est bof. Est-ce que je vous recommande de commander ce menu? Non. J'attends avec impatience la collaboration avec Céline Dion. Je veux une poutine spéciale. Merci à tous d'avoir regardé. Dédicace aux K-pop stands. S'il vous plaît, tout le monde, soyez civilisés dans les commentaires. Pas de guerre de moi j'aime ça, toi t'aimes pas ça, fuck you. On est gentils, good vibes only. Prenez soin de vous, saucez-vous la croquette, trempez-vous la frite. À bientôt. Bye bye. Bye bye.